d'Haïti, administration Moïse Joutla, adopté en conseil des ministres mercredi 30 septembre 2021, budget initial 2020-2021 avec une enveloppe qui dépassait 250 milliards gourdes. Quelques spécialistes pensaient que budget original y a considéré tableau d'équilibre avec prévision, voie et moyens. Il y a une différence tout dans le chiffre par rapport à dernier budget qui était une enveloppe de 198 milliards gourdes, alors que ça, lui-même, il y a plus passé 250 milliards gourdes. Spécialistes économistes avaient fait lecture pour nous sous nouveau budget. L'autre point dans l'actualité, différentes structures organisées qui ont rapport avec maison transfert, attendent que Banque Centrale a fait bac par rapport à circulaire 114-2A qui déjà provoqué en pile controverse en la société haïtienne et qui entrait en vigueur jeudi 1er octobre 2020. Yon reportage, Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Tiré 2, ça a entré en application jeudi 1er octobre 2020. Dans circulaire ça a, BRH exigé pour tout bureau transfert payer bénéficiaires en goud l'argent cap sorti à l'étranger, notamment dollars américains. Yon décision Pierre Runel, qui est président Union Nationale sous agent transfert en Haïti, une ATA rejetée catégoriquement. Nous estimons que la classe moyenne, les banques intérêts et économie haïtienne, les banques intérêts peuple haïtien, c'est notre optique, ça nous-mêmes nous faisons manifestation. Je nous ai annoncé ça, je dis à ce premier signal que nous pouvons faire. Pour nous faire comprendre que nous ne pas accepter, nous ne pas prendre la main. Normalement, pour les bagages, je demande que vous payez le conseil en route et que nous ne sommes pas d'accord. Je demande que vous mettez tout dollar dans la main parce que le classement n'a pas de droit avec dollar. Donc ça, nous voyons que ce n'est pas pour le peuple, ce n'est pas pour le business. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ça. Leader parti politique, Petite Dessaline, non? Ancien sénateur Moïse Jean-Charles, dit qu'il n'a pas appuyé démarche Banque Centrale là. C'est un coup, je prends nous pour un paquet de garé. Au contraire, je parle de l'album pour vous, oui. L'homme moun yo goud, seulement dans le transfert. Yo. Eh bien, pas de gain raté de là, artificiel. L'homme dit artificiel là, je parle serré de l'autre côté. Moun kesman pas faire business. Pas de gain, augmentation, inflation. Parce que pas de gain de là pour l'acheter. Pas de gain raté de produit. Faut pas moun yo comme yo en américain. Et puis tout. Il y a 23 000 personnes, 30 000 personnes qui veulent perdre du travail. C'est ce qui laisse ça entrer en application. Petite Dessaline, mandez-nous pour nous foncer avec maison, transfert. Et me tendez on dit, c'est spéculation. Si maison transfert a fait, qui fait des problèmes économiques ça. Bon, mes amis, tu m'as à yo. Ça, c'est ce que la banque dit, il fait. Ça, une banque dit, c'est lui qui fait. Quand tu m'as l'air ça, avec spéculation. Boko de Pal, yon avocat militant Douamoun, met les velles fanfan faire qu'on est, décision Banque Centrale là, correct. D'accord, décision yon prend, et 114.2, mais en même temps tout, l'autre secteur yon, faut yon retirer pression sur lui. Par exemple, on nous prend bagay qui bien c'est pour nous comprendre. Là où dit, maison transfert là, pour le bail, comme là, en gold. C'est bien, c'est une bonne décision. Mais maintenant, yo moun ki gen moun là-bas par exemple la pour un kay qu'on a pour 4000 dollars yo voye 4000 dollars bali si ou deal qu'on est là la prend comme ça dans une maison transfert yo bali 4000 dollars dans équivalent auto du jour et que qu'on est là les moun on pral payer kay là qu'on a obligé chercher l'argent en plus pour le mettre sous lit parce que montant que yo bali là li pas égal à 4000 dollars sur le territoire national. Donc maintenant qu'on l'autre décision qui prend, c'est que c'est pour tout, conformément à la loi, c'est pour tout paiement fait sur le territoire national en goud. Donc, loyer a dû payer en goud national. Pour que, ou pas payer moun, ou prétendre que ou après résoudre nos problèmes et pour poser l'autre problème ou l'autre côté. Pendant ce temps, différentes organisations qui gagnent rapport avec maison transfert en Haïti annoncé y a prêté mobilisé jusqu'à ce que Banque Centrale retire circulaire 114 tiré 2. N'a rappelé que maison transférée en Haïti, ancien protestation, femme porte depuis quelques jours, yon décision qui a des conséquences négatives sous empile monde en Haïti chaque jour, cap recevoir titoucho nan mes familles à l'étranger. Renan Toussaint, pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince.
Merci, Ronan Toussaint, toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Dans le commencement de la semaine, tu as gagné un sitting qui était fait devant la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Et organisateur, tu as voulu, avec sitting ça, lancer un pinga by conseiller contre le nouveau conseil électoral provisoire en même temps tout pour porter solidarité avec le juge institution. Parmi anciens parlementaires qui étaient présents dans le sitting ça, tu as gagné ancien député Hugues Célestin qui lui-même a expliqué présence li dans sitting ça qui était fait tant qu'on nous dit avant hier devant et local cour supérieur des comptes à contentieux administratif. Vous voulez vivre les dit fok zak sa konsazinay ka fait dans quartier populaire dans paysanien li doit fini. Nous voulons vivre les dit fok la cour supérieure des comptes continue diligenter enquête pour faire lumière sur 4.2 milliards de dollars fonds pétro-caribéo, régime corrompu, disparaître dans un coup d'éclair dans le pays d'Haïti. Nous venons là pour nous dire, juge la Cour des comptes, nous portons solidarité, IPAM, initiative patriote marien, portons solidarité totale à eux, dans le cadre, ni ensemble et cadre qui travaillent dans la Cour des comptes, pour qu'ils travaillent dans la tête reposée, afin que la nation fasse lumière autour de plus grand vol qui fait dans toute l'histoire du pays d'Haïti, 4,2 milliards de dollars, fonds pétro-caribéo. Nous venons là pour nous dire conseil électoral, pour nous dire la juge, la cour des comptes, pour ne pas débloquer un adoquin pour conseil électoral bizango que le président Jovenel Moïse mette campé. Nous venons là en signe de solidarité à tout mouvement mobilisation qu'a fait en deux pays jusqu'à ce que nous joignions par Jovenel Moïse avant 7 février 2021. Donc c'était ancien député Hugues Célestin qui était participé dans ce sitting ça qui était fait devant Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Mes amis, grand monde pas joué depuis ville au Caï dans le département sud pays. À bas insécurité, à bas la vie chère, à bas dictature, à bas corruption, c'est quelques slogans nous t'es capable de sur divers pancartes, plusieurs membres opposition dans le sud qui te prend la rue au Caï journée mercredi pour te marquer 29 ans coup d'état 30 septembre 91 là. Quelques chefs de file manifestation qui te prend la parole fait connait manifestation journée jeudi a, c'est une façon pour relancer série mobilisation pour forcer président Jovenel Moïse quitter pouvoir avant 7 février 2021. Je dis à ce 30 septembre, ce jour où côté que colon créole mettait avec et monde qui accaparait pouvoir, c'est impérialiste là pour et pour assassiner petit peuple là. Nous annonçons jeudi à son signal très clair, 7 février, nous pas nous jouer avec Jovenel Moïse. Bataille a démarré, c'est pour ça nous traiter mois d'octobre. Moi, papa de Saline, et c'est moi avec papa de Saline tout, pas de route, pas voir que Jovenel Moïse même dit de mission. Ok, je dis à cet 7 septembre, tout le monde connaît son date marquée dans le pays d'Haïti, son date historique, c'est quand il a été fait violence sur la volonté populaire, son date 30 septembre 1991, près de 3000 personnes, petit voile de sac dans le palais national, papa, il a été fait, il a été tué plus que 3000 personnes pour que je te reprenne le pouvoir. Et c'est une frappe ça encore, par la suite, pour que tout le monde mis au Caï, c'est une frappe. Avec un focus sur Haïti, avec les États-Unis. D'abord, dans le pays d'Haïti, l'administration Moïse Joutla a adopté en conseil des ministres mercredi 30 septembre 2021, budget initial 2020-2021 avec une enveloppe qui dépassait 250 milliards goudes. Quelques spécialistes pensaient que budget original est à considérer tableau d'équilibre avec prévision, voie et moyens. Il y a une différence tout dans le chiffre par rapport à le dernier budget qui était une enveloppe de 198 milliards goudes, alors que ça, lui-même, il y a plus passé 250 milliards goudes. Spécialistes économistes avaient fait lecture pour nous sous nouveau budget. L'autre point dans l'actualité, différentes structures organisées qui ont rapport avec la maison transfert, attendent que la Banque centrale a fait bac par rapport à la circulaire 114-2A qui déjà provoqué en pile controverse en la société haïtienne et qui entrait en vigueur jeudi 1er octobre 2020. Yon reportage, Ronan Toussaint depuis Port-au-Prince. Tiré 2, ça a entré en application jeudi 1er octobre 2020. Dans circulaire ça, BRH exigeait pour tout bureau transfert
payer bénéficiaires en good l'argent qui a sorti à l'étranger, notamment dollars américains. Yon décision Pierre Winel, qui est président Union Nationale sous agent transfert en Haïti, une ATA rejetée catégoriquement. Nous estimons que la place de classement est non, les banais intérêts et économie haïtienne non, les banais intérêts peuple haïtien, c'est nous qui ça nous-mêmes nous faire manifestation. Je nous ai annoncé ça, je dis à son premier signal que nous voulons pour nous faire reconnaître que nous ne pas accepter, nous ne pas prendre la main. Normalement, pour les bagages, je demande que vous payez le conseil en route et que nous ne sommes pas d'accord. Je demande que vous payez tout le dollar parce que le classement n'a pas de droit avec le dollar. Donc, ça, nous, il n'est pas pour le peuple, il n'est pas pour le business. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Leader parti politique, Petite Dessaline, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, dit qu'il n'a pas appuyé la démarche Banque Centrale. C'est un coup, je prends nous pour un paquet égaré. Au contraire, je ne parle pas de bon pour vous, oui. L'homme moun yo goud seulement dans transfert yo. Eh bien, pas gagne un raté dollar artificiel. L'homme dit artificiel là, yo pas le serrer l'autre côté. Moun classement pas faire business. Pas gagne augmentation, inflation parce que pas gagne dollar pour aller acheter. Pas gagne raté produit. Faut ba moun yo comme yo en américain. Et puis tout gagne 23 000 moun à 30 000 moun qui va le petit travail. C'est ce qui laisse ça entrer en application. Petite Dessaline, mandez-nous pour nous foncer avec maison, transfert. Et m'tende yon dit, c'est spéculation. Si maison transfert a fait, qui fait des problèmes économiques ça. Bon, mes amis, ti malaise ça yo. Ça, c'est ce que banque dit fait, il fait. Ça, il dit banque dit fait, c'est lui fait. Quand ti malaise ça, qu'avec spéculation. Beaucoup de parle, yon avocat militant d'Ouamoun, met les velles fanfans faire qu'on est. Décision Banque Centrale là correct. D'accord, et décision yo prend et 114.2 ya, mais en même temps tout l'autre secteur yo faut retirer pression sur lui. Par exemple, on nous prend bagaille qui bien c'est pour nous comprendre. Là on dit maison transfert là pour le bail comme là en gold, c'est bien, c'est une bonne décision. Mais maintenant, yo moun ki gen moun là-bas par exemple là pour un kay, qu'on a pour 4000 dollars, yo voye 4000 dollars bali. Si on dit qu'on est là, là prend comme ça dans une maison transfert, yo bali 4000 dollars dans équivalent auto du jour et que qu'on est là, là on va le payer kay là, qu'on a obligé de chercher l'argent en plus pour le mettre sous lit. Parce que montant que yo bali là, il pas égal à 4000 dollars sur le territoire national. Donc maintenant qu'on l'autre décision qui prend, c'est que c'est pour tout conformément à la loi, c'est pour tout paiement fait sur le territoire national en good. Donc, loyer a dû payer en goutte nationale. Pour que, ou pas bail mounan, ou prétendre que ou après résoudre le problème et pour poser l'autre problème ou l'autre côté. Pendant ce temps, différentes organisations qui gagnent rapport avec maison transfert en Haïti annonçaient y a prêté mobilisé jusqu'à ce que Banque Centrale retire circulaire 114-2. N'a rappelé que maison transfert en Haïti, ancienne protestation, Femme Porto depuis quelques jours, yon décision qui a des conséquences négatives sous un pile monde en Haïti chaque jour, cap recevoir Titocho nan mes familles à l'étranger. Renan Toussaint, pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Dans le commencement semaine, tu as eu un sitting qui était fait devant la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif et organisateur t'es voulu avec sitting ça lancer yon pinga bay conseiller contre nouveau conseil électoral provisoire en même temps tout pour porter solidarité yo ak juge institution. Parmi anciens parlementaires qui étaient présents dans sitting ça te gagné ancien député Hugues Célestin qui lui-même a expliqué présence li dans sitting ça qui était fait ta konou dil avant-hier devant et local cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Voulez vivre les dit Fok Zak sa konsazinay ka fèt nan katye populè yo nan peyizanyen li dwe fini. Nou vle vi vle di fok la Cour supérieure des comptes continue diligente anket pou fè limye sou 4.2 milyard dolar fon Petro-Karibe yo rejim korompu yo disparèt tan kon kout zekle nan peyi d'Haïti. Nou vini la pou nou di juj la Cour des comptes yo. Nous portons solidaire IPAM, initiative Patriote Marien,
porter solidarité totale à yo dans cadre ni ensemble et cadre qui a travaillé dans la Cour des comptes pour yo cap travail dans tête reposée afin que nation yo fait lumière autour de plus grand vol qui fait dans toute l'histoire pays d'Haïti 4.2 milliards de dollars fonds Petro-Caribe. Nous venons là pour nous dire conseil électoral, pour nous dire la juge, la Cour des comptes, pour ne pas débloquer un adoqué pour conseil électoral bizango que le président Jovenel Moïse mette campé. Nous venons là en signe de solidarité à tout mouvement mobilisation qui a fait en deux pays jusqu'à ce que nous joignions pas Jovenel Moïse avant 7 février 2021. Donc c'était ancien député Hugues Célestin qui était participé dans cette sitting qui était faite devant Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Mes amis, grand monde pas joué depuis ville au Kay dans le département sud pays. À bas insécurité, à bas la vie chère, à bas dictature, à bas corruption, c'est quelques slogans nous étaient capables sur diverses pancartes. Plusieurs membres opposition en sud qui te prend la rue au Kay journée mercredi pour te marquer 29 ans coup d'état 30 septembre 91. Quelques chefs de file manifestation qui te prend la parole fait connaître manifestation journée jeudi a c'est une façon pour relancer série mobilisation pour forcer président Jovenel Moïse quitter pouvoir avant 7 février 2021. Jeudi a c'est 30 septembre. Ce jour, côté que Colo Créole mettait avec et monde qui accaparait le pouvoir, c'est impérialiste là pour prendre et pour assassiner le petit peuple. Nous annonçons aujourd'hui à son signal très clair, 7 février, nous ne pouvons pas jouer avec Jovenel Moïse. Bataille a démarré, c'est pour ça que nous traitons, mois d'octobre, moi, papa de Saline, et c'est moi avec papa de Saline tout, pas de route, pas voir que Jovenel Moïse même de monsieur. Ok. Je dis à 7 septembre, tout le monde a son date marquée dans le pays d'Haïti, son date historique. C'est quand tu as fait violence sur la volonté populaire.